Bonjour, 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 bonjour. Donc, bonjour tout le monde. Je vais le commenter, je vais épingler. Ok. Elisabeth, envoyez-moi le lien. Armel, envoyez-moi le lien pour la contribution qui renvoie directement. Voilà. Comme ça, je vais épingler. Vous savez que nous avons présenté, depuis on parlait d'un projet, et pour tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, nous avions dit qu'il était urgent de repenser notre révolution et d'aider pour que les choses puissent avancer. On s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés au niveau de la logistique, du déploiement sur le terrain qui demandait beaucoup de financement. Et vous vous rappelez très bien que nous disions par le passé qu'il était important de voir le cadre qu'on devait offrir. Est-ce que ce cadre avait toutes les garanties de sécurisation? On avait toutes les soupapes de contrôle de la gestion. Alors, on y bosse en discussion avec d'autres combattants. Non, je veux le lien qui renvoie à la cotisation. Parce que là, je vais parler, je pense qu'aujourd'hui, il faudra aussi que ceux qui m'écoutent puissent, ceux qui m'encouragent, motivent, et qui nous écoutent, qui nous encouragent dans cette démarche, puissent apporter leur contribution, qui me paraît très importante pour notre combat. Donc, je veux juste le lien, je ne veux pas... Amel, tu as envoyé Cameroun, Wicat, ça c'est le site de la page. Moi, je veux le lien qui renvoie directement, je ne suis pas là pour envoyer les gens à s'informer. Moi, je veux que les gens donnent l'argent, c'est le plus important. Comme je disais, alors il était important de penser un cadre nécessaire pour faire contribuer les Camerounais et prix de justice et plus changement pour le pays. Et nous avons donc discuté au préalable avec plusieurs et nous avons jugé utile de mettre sur pied une organisation, une ONG. Ce n'est pas une association. Donc nous sommes dans une démarche, une ONG. Donc, c'est une organisation non gouvernementale qui apportera assistance aux Camerounais, qui va participer à la démocratisation, processus de démocratisation de notre pays, qui va vraiment aider les leaders politiques qui se battent pour l'émergence d'une nouvelle vision de notre pays. Et non, Amel, non, Amel, c'est pas... Non, je sais pas. Il y a un lien sur lequel on clique. Moi, je vais l'épingler, en fait. Que les gens puissent cliquer sur ce lien, ils envoient directement. Ouais. Donc, nous avons donc passé cette organisation. Il était pour moi question de me rassurer sur la probité des personnes qui devait porter le projet, qui devait accompagner cette démarche qui est très importante pour nous, parce que je tiens à vous rappeler qu'à un moment, épingler ce lien, c'est sur le site qu'on contribue. Donc il n'y a pas... Oui, Amel dit épingler ce lien, c'est sur le site qu'on contribue. Non, en fait, il y a des liens qu'on essaie... Il y a des liens, moi j'ai vu ça souvent, il y a des liens qui nous renvoie directement à la contribution. Je veux un lien qui nous envoie directement à la contribution sur le site. Bon, comme tu insistes, tu dis c'est ça. Voilà.
Et il était donc question de mettre sur pied. Et pour arriver à ce projet, je tiens à vous rappeler que je reviens un peu sur l'historique de la démarche, parce qu'il y a beaucoup de dire pour ce qui se passe au niveau de la diaspora pour cette organisation. Ouais. Je tiens à vous rappeler qu'avant d'arriver à ce projet, il faut rappeler que nous avions estimé qu'il était important de pacifier la résistance au niveau de la diaspora, parce qu'il y avait des groupes de divergence. Et sur le premier point, nous nous sommes dit que si nous avons le même idéal, qui est de demander le départ de M. Paul Biya, au moins sur ce volet, épingle l'adresse que j'ai postée, là, qu'on contribue, tu es têtu. Ok, amen, ok, chapeau, envoie. Willy Nassouba, tu vas continuer, tu n'as pas contribué, envoie-moi ton reçu. Willy, mon pote, un sardinat, si tu as contribué, envoie-moi le reçu dans mon inbox. Non, on t'envoie, quand tu contribues, on t'envoie un message automatique, tu m'envoies Willy, petit sardinat, petit voyou. Donc, Amel, renvoie encore le. Amel, s'il te plaît, renvoie. C'est un sardinat, hein, Willy Nassoubako, vous voyez là, c'est un gros sardinat. Mais je l'aime, c'est mon frère. Donc, Amel Stéphane, tu renvoies encore, je vais l'épingler comme tu insistes. Ouais, comme tu insistes. Le réseau dérange? Oui, attends, Fantomas, voilà, Fantomas, ah, ok, je vais l'épingler. Ok, j'ai épinglé Fantomas. C'est bien. Ok. Tu n'as pas le choix de me soutenir, Willy Nassouba. Toi-même, tu sais que la réalité du pouvoir, là, nous aurons ça très bientôt. Toi-même, tu sais, c'est pour ça que tu as fui le pays. Donc, nous avons estimé qu'il fallait réconcilier, hein, toutes les groupes de divergence ensemble. Qui était important même si les gens avaient différentes méthodes, différentes manières de penser, mais il était important pour mettre ce projet. Et vous rappelez très bien qu'il y a une réunion qui a été faite. En fait, la plupart des membres de la diaspora, à cette réunion, c'était en prélude au 22 septembre. Nous avions organisé, une semaine avant le 22 septembre, nous avions organisé une réunion où vous avez eu la participation de 56, hein, activistes qui ont répondu présents. Malgré qu'il y a certains qui n'ont pas répondu présent, mais je tiens à dire que cette réunion était vraiment représentative. On avait tous les groupes représentés dans cette réunion. Et autour de cette réunion, nous avions discuté. Et je me rappelle très bien que c'est la plateforme qui a été mise pour la communication pour la réunion. C'était donnée par nos camarades du Canada. Et qu'eux, ils avaient un problème parce que le souci de ceux de notre frère Canada disait qu'il fallait qu'on mette sur pied. L'organisation après de cette réunion qu'on organise ensemble un truc qui va devoir financer, qui va apporter des financements pour la révolution, parce qu'il est impensable de savoir que des activistes se déploient sur le chemin, sur le terrain, ont des sanctions, ont des trucs. Il faut centraliser finalement des fonds pour aider au combat, pour faire avancer. Et nous avons salué cela. Notre exigence se posait sur la transparence et la crédibilité des gens qui devaient le faire. Et nous avons estimé que on va pas toujours, hein, mais centrer des idées sur nous en Europe. Donc, utilisons pour une fois, essayons de demander à ceux de l'autre côté, de l'autre mer, de l'Atlantique, là-bas, de l'autre ouest, des États-Unis, du Canada, de prendre le leadership, d'accompagner ce leadership. Et nous, derrière, nous accompagnons. Et c'était ça qui était pensé. Mais après le 22, vous avez vu le grand frère Timban, que je respecte bien, qui a fait une proposition louable. Et ceux du Canada ont pensé qu'il fallait, parce qu'ils avaient pensé, mais nous, on n'avait pas mis sur les réseaux sociaux. Parce que je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas, je ne suis pas, personnellement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent aux stratégies, on verse sur la plate, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout, parce que moi, j'estime que la stratégie, par essence, elle est secrète. Mais un de nos aînés, grand frère, a pensé, il a mis un projet qui était salué. Et nous, on s'est dit, bon, il fallait peut-être revoir et apporter quelques précisions. Les frères du Canada qui avaient déjà pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu se coucher, plutôt bien verser aussi sur les réseaux sociaux, organiser un truc. Mais avec toute la mousetti, ils ont interpellé Timbanin, Maître Timbanin, en lui demandant, bon, voilà, il a dit, pas de souci, lui, il a proposé, mais si on peut organiser, il n'y a pas de souci.
Et c'est comme ça que ceux du Canada et ceux de l'Europe ont fait des réunions ensemble pour organiser vraiment que ces structures puissent avancer. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'à un moment, moi-même, je me suis tiré parce que ça allait dans tous les sens. On a un problème véritable entre nous, un problème d'ego, un problème de leadership des gens qui estiment. Or, moi, j'avais dit à ceux des gars de l'Europe que vraiment, pour une fois, calmons-nous, laissons les autres organiser et il faut les accompagner parce que moi, j'estime qu'il y a plus de crédibilité. Ils ont les soupapes de sécurité. Il y a plus de soupapes de sécurité de l'autre côté. Il y a un sens de sérieux. Donc, nous avons été écornés depuis 2018, même si je n'ai pas des éléments ou bien des preuves, mais j'estime que nous n'avons pas souvent été clairs dans notre gestion au niveau de l'Europe. Donc, si on veut regagner la confiance des cœurs, parce que c'est l'urgence, il nous faut les moyens. Donc, donnons à ceux des États-Unis de tenir les manettes de la gestion de cette organisation et nous les accompagnons. Parce que la preuve en est que vous le dites, que vous luttez, c'est pour le bien des Camerounais. Mais si c'est pour le bien des Camerounais, ça ne doit pas seulement se figer sur notre petite personne. Laissons les autres avancer. Mais à un moment, personnellement, je me sentais un peu, ça devenait un peu soporifique nos réunions, ça me dérangeait. Parce que point de divergence, des guerres, vous faites des réunions tout le temps, c'est des guerres, des petites incompréhensions. Et moi, j'étais emmerdé personnellement. Moi, j'ai plus de recul et j'attendais que la sélection naturelle puisse faire son filtre. À un moment donc de cette orientation, nous estimions, parce que j'avais quand même des informations qui m'ont nous estimions que ce combat, il était important pour nous d'identifier les acteurs sur le terrain, les acteurs politiques qui accompagnent le peuple camerounais. Et nous avons estimé que pour le temps, pour le cas présent, nous avons un seul homme qui soutient le peuple, qui parle peu. Et c'est le seul qui pourra bénéficier de notre accompagnement pour la mise en place de ce processus de démocratisation de notre pays. Certains des camarades ont dit non, eux c'est tout le monde. Et que c'est tout le monde, ils vont aider tous les partis politiques, etc. Et les autres, dans la cohérence, leur disent, mais écoutez, ceux qui vont venir cotiser, ce sont ceux qui ont une sympathie pour la personne de Maurice Kamto, qui ont une sympathie pour son parti, parce qu'ils ont identifié cet homme comme étant le seul homme de l'opposition camerounaise qui a une certaine cohérence, une certaine clairvoyance. Mais comment voulons-nous récolter les sommes d'argent venant de ceux qui ont la sympathie pour cet homme et aller donner à d'autres partis qui ne cadrent pas dans sa vision. Voilà le point de scission. Et c'est ça qui nous a divisés. Et là, nous avons été très clairs. Vous le savez, très, nous assumons nos positions et nous le disons à qui veut l'entendre. Pour le cas présent, nous avons identifié la personne et l'homme qui est plus soucieux du peuple camerounais. Et c'est lui que nous allons accompagner pour la démarche de démocratisation, du processus de démocratisation de notre État. Parce que moi, j'insiste et je précise, on n'est pas dans l'angélisme politique. Je ne peux pas donner mon argent pour qu'on aille donner à un gars du PCA. Non, non, moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas donner mon argent qu'on aille donner à un gars du RDPC. Je ne peux pas donner mon argent, je refuse ou bien du plus, etc. Ça, c'est clair. Donc, il faut être clair sur ces principes-là. Et les autres se sont destinés, ont décidé de faire chemin à part. On a dit, pas de souci, nous, on va travailler. Mais nous avons identifié sur le terrain le partenaire politique que nous allons accompagner. Je veux aussi préciser, parce qu'il y a des gens qui font un peu d'amalgame entre l'activisme, le politique, etc. Il ne faut pas. Écoutez, l'État, il n'y a véritablement pas de frontière entre l'activisme et le politique. C'est vrai que l'activiste est celui-là qui va se débattre pour travailler pour une justice sociale. Mais à un moment, pour celui qui voudra qui est dans cette démarche de conquête de pouvoir, c'est le politique. Mais pour réaliser notre vision de notre nation, pour implémenter notre vision, on a besoin du politique. Alors, si le politique est dans cette démarche-là que nous avions identifiée, que c'est lui qui nous garantit, qui nous donne au moins quelques garanties pour réaliser ce que nous voulons, il est donc important que ce soit nos partenaires stratégiques et de les accompagner. J'entends des gens dire le fait de prendre position pour un parti nous exclut directement de l'activisme, nous exclut du champ politique. Mais non, tous nous interférons dans le champ politique et il faut être clair. Donc moi, je ne vais pas être dans ce langage de tromperie du peuple en se disant non, ça ne me concerne pas, je vais aider tous les Camerounais. Et c'est ce qui s'est toujours passé et le Cameroun s'est maintenu à l'état actuel comme nous avons là aujourd'hui. Donc, à un moment, il faut être courageux. Et
Il faut être courageux, il faut dire exactement les choses comme nous les observons. Nous estimons aujourd'hui que l'urgence est arrivée de distinguer les Camerounais qui pensent qu'aujourd'hui, notre but, c'est d'aider les Camerounais à asseoir un véritable processus démocratique et aider ceux qui se battent pour cela. Mais pour le cas du Cameroun, je vous apprends, je vous le dis, et personne ne peut me contredire sur ce point, nous n'avons véritablement pas des gens identifiés. Ils ne sont pas une multitude identifiée qui pense au peuple, qui se battent chaque jour pour encourager le peuple. Et c'est ce qui est une réalité. Donc, nous n'allons pas faire plaisir à la multitude des Camerounais, surtout que ce n'est pas la majorité des Camerounais qui viendra adhérer ou bien qui nous accompagne. Nous aurons toujours, vous voyez sur la toile, des gens qui sont toujours là à attaquer, à raconter n'importe quoi, à dire que c'est du mensonge, etc. On n'aura pas toujours, on ne sera pas toujours en désaccord. Mais le plus important pour nous, il était question de mettre une organisation sérieuse qui a une fiabilité des hommes, hein, cette fiabilité des hommes qui accompagnent ce projet. C'était ça le plus important et offrir aux Camerounais et de susciter cet optimisme, de dire aux Camerounais, même si vous êtes déçus, même si vous estimez qu'au niveau de la diaspora, les choses ne sont pas faites, nous allons vous proposer une version revue et corrigée pour effacer les frustrations par le passé. Et c'est ça notre démarche. Donc, j'invite aujourd'hui, je ne vais pas m'élargir sur le champ, mais j'invite aujourd'hui, excusez-moi, c'est super important. Excusez-moi une minute, pardon. Je vais prendre, en même temps, on travaille sur d'autres choses. Oui. Allô? Oui. Non, tu as confondu. Tu as confondu. C'est Steph. Et tu me coupais. En plus, je croyais que tu me donnais une information stratégique. Ok, tout à l'heure. Ouais. Pas de souci. Désolé, vraiment, je m'excuse. Voilà. Donc, voilà, nous avons décidé, nous avons mis un truc sur pied. Mais quand on l'a fait, quand on a fait cette organisation, nous ne venons pas nous attaquer à une organisation quelconque. Nous sommes dans une dynamique telle que les Camerounais souffrent. Vous aviez aujourd'hui au Cameroun 27 millions de Camerounais qui souffrent dans leur chair profonde, qui sont devenus des clandestins, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. On ne peut pas s'amuser. On ne peut pas blaguer avec ces questions. Il faut déployer des stratégies pour aider le Camerounais, les Camerounais en sa sortie. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. C'est une vérité. Quand on l'a dit, ce n'est plus une vocation de déstabiliser ce pays. C'est parce que nous l'aimons. Nous aimons notre patrie. C'est pour ça qu'il faut organiser les choses pour faire avancer. Donc, on ne va pas verser dans des petites querelles, dans des petites divisions. Et c'est ça le sens de notre orientation. C'est pour ça que je dis à ceux qui nous ont toujours fait confiance et qui nous fait confiance. Et vous allez voir, ça va être très original. C'est la première fois que je me penche, je communique sur une telle organisation pour la récolte des fonds. Parce que, personnellement, j'ai jugé de la fiabilité, la qualité, la probité des hommes qui les accompagnent. Et nous avons mis toutes les soupapes de sécurité pour que nous ne soyons pas dessus. Parce qu'il s'agit aussi de nos personnes, de notre casquette. Je ne veux pas sortir de là étant écorné ou bien écorché, comme je vois plusieurs. Même si les gens doivent nous attaquer, mais il faut qu'à notre niveau, la transparence, la confiance entre les Camerounais soit garantie. Il ne s'agit pas d'une opération d'escroquerie ou d'esbouffe. Je tiens à vous le dire, nous on a une projection sur le long terme. On ne peut pas s'amuser avec cet engagement. Et vous allez voir, pour tous ceux qui se démarrent, pour tous ceux qui se solidarisent pour accompagner les Camerounais, n'hésitez pas. Et c'est un chantier vaste. J'ai l'impression que certains Camerounais ne comprennent pas notre démarche. Et je suis rassuré chaque jour parce que je me rends compte que finalement, nous aidons, nous accompagnons et nous devenons même une menace pour le régime en place parce qu'ils savent que ça va aider finalement à avoir une révolution debout, ténue, parce que l'argent, il en faudrait. Donc n'hésitez pas. N'écoutez pas les ragots, les médisances, les comportages de bars, des cafés et des chambres. Le plus important, si vous aviez mis votre confiance en nous, faites-le.
Je tiens à vous rappeler que vous n'en serez pas déçus. En tout cas, en ce qui me concerne. Parce que je suis un membre de ce mouvement, je veillerai que le peuple ne soit pas déçu. Parce qu'il s'agit aussi de notre propre casquette. Donc, je vous invite sincèrement à aider, parce que dans les jours qui suivent, nous aurions des actions pour le soutien des détenus et leurs familles. Parce que nous estimions que c'est injuste de notre part d'avoir abandonné ces prisonniers qui sont levés pour exprimer leur opposition, être embastillés et nous restons indifférents. Il fallait, je sais que beaucoup, de manière individuelle, ont apporté leur soutien, mais de manière très individuelle, ça ne peut pas aboutir. Il faut finalement mettre un cadre où l'ensemble des Camerounais, de par leur solidarité, même si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est la bienvenue pour que les choses avancent. Quand on l'a dit, si un parti politique se démarque à l'heure où je vous parle, un parti politique nous démontre à suffisance qu'il mène sa politique pour le peuple camerounais, nous allons le soutenir. Mais pour le cas contraire, je suis désolé. Donc pour ceux qui nous estiment, pour ceux qui nous considèrent, n'hésitez pas de contribuer. Et laissez que les campagnes de sabotage, de médisance continuent, ça ne nous intéresse pas. J'ai appris une chose, lorsque vous défendez la justice et la vérité, vous n'avez pas à craindre. Ceux qui sont dans la tromperie, dans les brouffes, vont s'écrouler comme un château de sable. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Voilà. Donc, quand on l'a dit, excusez-moi, j'ai eu juste... Je vais revenir. Donc, ceux qui ont les fafiola, contribuez là-bas. Ne vous dérangez pas. Laissez les bêtises contribuer. Et je salue toute l'équipe, tous ceux qui nous accompagnent. Je salue tous ceux qui nous accompagnent pour la réalisation de ce projet. Vous savez, il y a une autodestruction entre les Camerounais, une autocensure. Lorsque les Camerounais lancent des projets, on dit non, si c'est du Cameroun, ça ne va pas marcher. C'est toujours les mêmes. Si ça ne va pas donner, il faut déconstruire cette façon de penser. Il faut détruire ce schisme. Où on fait croire à l'ensemble des Camerounais, et même à l'international, lorsque ça vient des Camerounais, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nous sommes debout. De faire comprendre aux gens que l'imposture ne va pas prospérer. Même s'il y a des Camerounais faux, il faut qu'on démontre encore des Camerounais vrais, qu'un certain sens de l'honneur et de l'intégrité. Et c'est ça notre combat. Quand on l'a dit, on ne fait pas la moraline. Mais j'estime qu'aujourd'hui, on doit assainir l'espace politique au Cameroun. Il y a beaucoup de bluffeurs. Il y a beaucoup de bandits. Il y a beaucoup d'affamés. Il faut des hommes qui feront un dépassement personnel. Il faut des hommes qui rassurent les autres. Il faut des hommes, même s'ils estiment qu'autour d'eux, ils ont vu des fausses personnes. Mais quand on vous regarde, à votre démarche, à votre vie, qu'on se dise, il y a encore du bon dans ce pays. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que nous nous battons. Pour que ça se réalise. Et heureusement pour nous, nous qui avons été sevrés pendant plus de 20 ans d'une véritable opposition, la nature nous a permis d'avoir un homme, une organisation, quelle vision, au-delà de toute la brutalité, de toute la répression contre cette organisation, ils tiennent debout et ils avancent. Donc, que les gens cessent de raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, si on a plagié, on a volé, si on a volé ce projet ou on a plagié, si le vol et le plagiat de ce volet et ce projet peut amener au moins à rassurer les Camerounais, moi je suis content. C'est que c'est un bon vol. C'est que c'est un bon vol. Si le vol là, vous savez, en Colombie, Pablo Escobar, plus grand trafiquant, vous avez écouté son témoignage, son documentaire. C'est un trafiquant de drogue, un narcotrafiquant à une dimension internationale. Mais le jour où on est venu tuer cet homme, l'arrêter.
Le peuple a pleuré. Je ne suis pas là pour encourager l'imposture, ou bien l'immoralité, ou bien l'incivisme. Mais le peuple l'a pleuré, pourquoi? Parce qu'il connaissait la souffrance de ce peuple. Donc lui, qui était dans le business, il ne mangeait pas seulement seul. On te dit qu'il nourrissait toute une ville. Il nourrissait. Si le vol-là peut nous aider, hein, à nourrir, à aider les Camerounais, à aider pour la réalisation de la démocratisation de notre pays, c'est un bon vol. Si nous autres, on a volé le projet, je suis content pour une fois d'avoir volé un tel projet. Que celui qui n'est pas content aille brûler le lac. Allez me porter plainte. Allez nous porter plainte. Vous avez tout. Ils savent que vous avez même l'avocature parmi vous. Allez nous attaquer. Mais je dis à mes camarades et mes frères, si on a volé, on a plagié. Si au moins ça va sécuriser les choses et que ça va aider le peuple, le voilà, je salue ça. Maintenant, pour ceux, c'est pas tout le monde, tous les révolutionnaires qui vont contribuer chez nous. Si ceux qui ne nous aiment pas peuvent contribuer ailleurs, mais si ça avance pour le cas du Cameroun, il n'y a pas de problème. On n'est pas en guerre. Les fronts pluriels, ce n'est pas une guerre. Mais si ça peut aider, il n'y a pas de souci. Pour avancer le combat, on n'a pas de problème. Bon, laissez-nous, nous les voleurs. Nous les voleurs, on veut travailler pour le peuple. Quand j'ai dit, on passe à autre chose. Donc, attendez. Ok, j'estime que je n'ai pas trop de cœur. Donc, il faut comprendre, quand on l'a dit, tu es libre de cotiser là où tu veux. Tu es libre de faire là où tu veux. Mais après, ne viens pas avec nous. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ne viens pas pleurer sur nous. Ok, le but de ma sortie... Quand on a dit ça, le but de ma sortie, vous savez, nous c'est la politique qui nous intéresse. Il faut qu'on réponde. Ceux qui me connaissent, savent que je ne discute pas les postes. Je ne discute rien à qui que ceux qui me connaissent. Vous ne pouvez pas inventer n'importe quoi. Écoutez, quand vous êtes compétent, hein, on vous cherche même quand vous êtes dans le trou. Moi, on peut me virer quelque part. On peut me virer quelque part. C'est dit que vous êtes porte-parole. C'est parce qu'on ne veut pas tout dire. On me connaît. On me connaît. On va tout dire. Les nous, quand tu viens avec les postes, on te fait comme ça. Dis donc, ce n'est pas important. Et même quand on nous donne même les postes, nous, on laisse responsabiliser les autres. On laisse exprès. Ça ne nous intéresse pas. Pas qu'on n'a pas la compétence. Hein. Donc, si quelqu'un pense que les nous, on fuit les groupes, on fuit les projets, parce qu'on nous a refusé le porte-parole là, tu as tapé poteau, tu ne nous connais pas. Tu ne nous connais pas. Bon, vous m'avez botté, comporte par là. Qu'est-ce qui explique que vous faites crépiter mon téléphone et je ne décrochais pas? Pourquoi? Comment vous dites que vous chassez quelqu'un, mais après vous l'appelez tout le temps pour le supplier? Vous voulez qu'on dise des choses? Les petits menteurs. La manipulation du mensonge ne passe pas. Pour
pour le cas présent, on vous met 1000. Je suis le top. On va me prendre partout, comme porte-parole. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis le Cameroun, j'étais porte-parole des partis politiques. J'ai ma part. Je ne suis pas très super. Mais on sait que j'ai mon originalité. Donc, si ce n'est pas le cas, tu n'as pas m'appeler. Si je n'étais rien, tu n'as pas m'appeler. Tu viens mentir. Petit menteur. Le mensonge ne pourra jamais être au-dessus de la vérité. Il faut être clair. Vous croyez que c'est en gesticulant ou en criant partout que vous aurez raison. Vous mentez. Le peuple nous observe depuis. Ils savent qui est qui. Et qui fait quoi? Non, excusez-moi. C'est qu'il y a des gens qui pensent que quand ils parlent, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire. On peut être voyou. Moi, je dis que je suis voyou. Mais la dimension, la projection que nous avions de ce Cameroun ne nous permet pas de nous rabaisser, de verser dans la gâteau. Nous, on pense État. On pense milliard. On dort. Nos rêves, c'est le milliard. Maintenant, notre but, on court-circuite. Quand on voit que là-bas, c'est pas bon. Ça pas un jar, là. On casse. Maintenant, tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. En tout cas, on me connaît. Je tape sec. Tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Bon, le plus important, mes frères. Le plus important, je veux que vous écoutiez quelque chose. Vous allez comprendre. Donc, ce n'est pas seulement vrai pour le cas d'ici. Même sur le champ politique au Cameroun. Même pour le champ politique au Cameroun, ça va mal. Et vous devez comprendre ça. J'ai voulu expressement. Je veux que vous écoutiez ensemble. Vous allez comprendre comment l'imposture avance. Vous allez comprendre. Parler de quoi? Je vais vous mettre la vidéo de quelqu'un. Ça a été coupé. Il a été l'invité de Equinox. Je ne sais pas l'émission. Hein. Je ne connais même pas le nom de l'émission là. C'était sur Equinox, j'ai dit ça. C'est Maître Tchapi. Il se prononce sur un ancien de ses camarades. Et vous allez comprendre. Parce que quand nous on explique aux gens que la posture de Célestin Ndiamin n'est pas une posture politique. Le gars a expérimenté la disette, la grammaire de la famine. Et c'est dangereux. Quand vous avez de tels individus qui veulent contourner le langage, qui croient être très intelligents pour manipuler l'opinion publique, il faut être éveillé. Il faut comprendre ces choses. Écoutez, un ancien camarade, il n'est pas n'importe qui. Un type constant et cohérent. Il est du SDF. Maître Lavoisier Tchapi. Il se prononce sur son camarade. Et vous allez comprendre que tout ce que Ndiamin essaie de faire, c'est une manœuvre des services secrets pensée par la présidence dans le but de faire croire aux gens que le MS est fini, que c'est décapité. Vous vous mentez. Oh, il oublie qu'il se tue lui-même. Il est très difficile. On milite pour ses intérêts personnels. Okay. On milite pour ses intérêts personnels. Et ce n'est plus le sens qu'il faut donner à la politique. D'accord. Ok. Célestin Ndiamin. Bien. Célestin Ndiamin, c'est... Il a été militant du SDF au même titre que moi. Il a été... quelqu'un qui défendait les idéaux du SDF. D'ailleurs, qu'il avait commencé ce militantisme
Pardon, il faut me bloquer, grand marabout, là. Il faut me bloquer. Il faut... Ceux qui a mini, je vous en supplie, bloquez-moi, grand marabout. L'Afrique s'ouvre. Grand marabout, si tu veux être efficace, viens nous chasser pour le bien. Comme ça, nous allons te suivre en fermant les yeux. T'as pas de grand marabout, là, c'est quoi ça? Quel charme. Bloquez-moi, grand marabout, là. Faut éviter, mais direct, grand marabout. C'est quoi cette histoire, cette salade-là? On suit. France, avant de venir continuer au Cameroun, j'ai eu à faire un commentaire sur lui. Nous nous sommes retrouvés sur un plateau STV, la fameuse vidéo qui circule depuis de longs mois. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai dit de Célestin Germain. C'est un constat que j'ai fait, non seulement sur lui, mais sur de nombreux camarades politiques que j'ai côtoyés. J'estime que... Qu'est-ce que vous avez dit dans la vidéo? Dans la vidéo, j'ai tancé Germain. J'ai tancé Célestin Germain parce que je trouvais injustifié sa démission. Au SDF? Oui, je trouvais injustifié sa démission du SDF puisque au congrès de 2012, Germain n'avait pas pu compétir pour être vice-président du SDF parce qu'il n'avait pas l'argent de la caution pour ce poste-là. Parce que pour être candidat à ce poste, il faut déposer une caution au sein du parti. Il n'avait pas. Il vous a dit qu'il n'avait pas d'argent? Il n'avait pas d'argent, oui. C'est ce qui... Vous écoutez. C'est pas Tchoumbou qui parle. Vous écoutez. Vous écoutez. C'est pas Tchoumbou qui parle. En 2012, au sein de son parti, je ne suis pas dans le dénigrement de sa personne. Mais c'est une réalité. Il nous explique. Et vous allez comprendre pourquoi il le dit par après. Il veut justifier les motivations de Germain actuellement. C'est pour ça qu'il est obligé de voir son parcours. Les gens oublient des choses. Quand vous voyez l'attitude d'un individu aller puiser dans son passé, c'est pour ça que nous autres, si on était bizarre, on devait pondre des archives qui devaient nous compromettre. Il faut toujours se renseigner. Ceux qui me connaissent, l'organisation que nous avions mise sur pied, notre organisation, j'insiste tout le temps, je dis, oui, c'est bien beau, on veut les gens. Mais nous allons faire l'enquête de moralité d'abord, avant que les gens nous accompagnent ou bien viennent. Sinon, je préfère que nous soyons deux ou trois personnes. C'est très important. On a trop trompé le peuple camerounais. Paul Biya est resté à la tête du Cameroun. Pas parce que c'est un sphinx de la politique. Non. Il a profité des contradictions et des errements de l'opposition pour se maintenir pendant 38 ans. Et il faut rectifier ça. Pourquoi? Parce que dans le logiciel de ce régime, ils estiment que lorsqu'un homme politique de l'opposition s'élève, il faut corrompre, il faut l'acheter. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que pour eux, pour le RDPC, si on te donne si tu commences à contester, on te donne un poste, tu refuses. On te donne l'argent, tu refuses. Mais tu as un problème pour eux. Tu es un problème. Merci d'avoir bloqué. Tu as un problème pour eux. Tu as un problème, tu as une menace. C'est pour ça qu'on veut tuer Kamto. Le seul crime de Kamto, c'est qu'il a refusé l'argent et refusé un poste dans les conditions actuelles de son combat. Voilà pourquoi on veut le liquider. Et écoutez, Maître Tchapi, c'est intéressant, ça va nous édifier. Même si tu as dit écouter, on dit que la répétition est mère de la pédagogie. Il faut écouter. Ça doit entrer dans notre... Vous allez comprendre. Non, c'est ce que j'ai constaté. Vous avez les preuves? Oui. Je l'ai constaté, il n'a pas pu avoir l'argent pour être dans ce poste-là. Maintenant, à l'issue de ce congrès... Vous avez les preuves qu'il n'avait pas de l'argent, qu'il ne pouvait pas payer? Oui, avant cela, Célestin Germain a connu d'autres déboires par manque d'argent. Avant le congrès de 2012, il a connu des déboires. Donc... je ne voudrais pas trop m'étendre sur certains aspects. Mais quand il ne parvient pas à être membre du Bureau national,
il y a un poste nouveau qu'on crée, secrétaire national aux droits de l'homme. Pour la première fois, ce poste a été créé au bureau national. Moi, je m'attendais à ce que moi... Merci pour ceux qui sont en train de contribuer. Je viens d'avoir l'information que la barre est en train de monter. Merci. Continuez de contribuer. Continuez, merci. Merci vraiment. Faites-le. Même si vous ne croyez pas à Cameroun ou Wicca, seulement à Stéphane Tchoubou, parce que vous croyez à moi. Allez contribuer pour me faire plaisir. Donc, je me disais que... Il faut un moment mettre sa personnalité devant pour amener les gens. Le chairman a désigné Célestin Germain. Nous avons applaudi cette désignation. Il faut liker la page, il faut vous abonner sur cette page. C'est intéressant. Pendant, jusqu'à sa démission, du SIF, Njamène n'avait pas pu produire le moindre rapport. Écoutez le monsieur, Maître Trapu dit très bien que ce n'est pas nouveau les déboires de Njamène. Mais vous, et c'est ça. Il faut un moment donné, c'est ça avec l'imposture au Cameroun. Moi, lorsqu'on m'appelle, on me dit d'être conseiller municipal. Je vous ai raconté cette chose, je ne vais pas m'étendre. C'était le cas du PURS quand j'étais quitté du PURS. On m'appelle, on me dit d'être conseiller. Non seulement ça ne m'intéressait pas, ce n'est pas ma vision. Et même, je ne peux pas m'engager. Être une proposition, je n'ai pas les moyens. Moi, je n'avais pas les moyens. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais, je vais changer votre vie. Mais quand on vous regarde, votre vie laisse à désirer. Il faut une cohérence. Allez voir tous les opposants aujourd'hui qui émergent. Allez voir le comportement. Comment voulez-vous qu'ils pensent à vous? Ce sont des aventuriers, des gens qui viennent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler peu. Eux, dans leur logiciel, c'est utiliser le peuple pour avoir un positionnement et se réaliser. Lorsqu'on m'a appelé, moi personnellement, que ce soit conseiller, moi ça ne m'intéresse même pas. Je ne fais pas la politique pour être machin, conseiller, salaire de café, de commerce, ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, les gens me disaient, mais bah, tu es ton conseiller. J'ai dit non. Je ne peux pas aller mener une campagne où je n'ai pas les moyens. Pour moi-même, merci pour la personne qui a souscrit pour la donation mensuelle. Merci, merci, merci frère, c'est gentil. Je ne peux pas aller dire que je suis conseiller. Je n'ai même pas l'argent pour manger pour moi-même. Je vais vendre quoi aux Camerounais? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et le Cameroun souffre aujourd'hui. Parce que vous avez la plupart de ceux qui se disent être des opposants. Ce sont des aventuriers. Des gens, lorsque vous regardez dans leur vie, qui ont un problème sérieux. Et qui estiment que la politique, c'est du business. Il faut se positionner. C'est pour ça que nous souffrons et pour bien être toujours là. Vous les connaissez. Donc, Maître Lavoisier explique. C'est pas qu'on est dans le dénigrement de la personne. Mais ce sont des faits. Ce sont des réalités. Il veut nous faire comprendre la posture de Célestin Djamé actuellement. La situation des droits de l'homme au Cameroun, parce que le secrétaire national aux droits de l'homme dans le SIF, c'est quelqu'un qui doit réagir à toutes les situations de violation des droits de l'homme. Qui se passe dans le pays. Et à la fin d'année, il doit produire le rapport SIF sur la situation. Maître Lavoisier dit très bien qu'au sein de leur formation, Djamane est allé conquérir pour avoir un poste. Ça n'a pas marché. Puisque c'est quelqu'un qu'on connaît. Apparemment, Jean Fondi connaît que c'est quelqu'un de très frustré. Et il sortait de la diaspora. Hein? Voyez-vous. Mais maintenant, Jean Fondi, pour le calmer, pour qu'il soit dans le bureau, hein? Le shadow cabinet est dans le bureau. John Fundy décide donc de mettre sur pied un bureau, le secrétaire aux droits de l'homme. Que c'est une originalité créée dans le SDF. Mais ceci pour calmer Njamène. Mais Maître Lavoisier dit ceci. Durant sa mandature, il n'a produit aucun rapport. Et Maître dit, lui qui est juriste, qui exerce même, et qui se connaît, qui a souvent produit des rapports pour le cadre du SDF sur les questions de droits de l'homme, n'a pas été sollicité, il estimait que c'était lui. Parce que lui, il avait déjà fait ce travail. Mais n'a jamais été sollicité. Mais, puisque Njamène voulait se rapprocher du directoire, on a créé un poste. Tous, ils ont acclamé. Ils ont acclamé. Écoutez. Et par la suite,
Lorsqu'on est arrivé aux élections municipales de 2013, Germaine voulait être candidat à la députation. Il n'avait pas... Donc c'est pas nouveau. Maître Lavoisier nous explique que c'est pas nouveau. Germaine veut politiquement sa part. Il veut sa part. Mais ça ne se passe pas comme ça. Écoutez. Les moyens pour devenir candidat. Encore le problème de moyens. Oui, ouais. Il n'en avait pas. Parce que c'est que... En 2013, Manhoaf Gombo, parce qu'il y a des apports personnels, il y a un charisme, il y a tout ici. La politique est une discipline noble. C'est une discipline noble. Tu ne peux pas dire aux gens, parce que c'est un projet que tu vends, que tu vas changer leurs conditions de vie. Mais quand on te voit, tu ne parles pas. Je n'insulte pas sa personne. Mais un moment, chers frères, il faut savoir dire les vérités aux autres. Il faut voir. Toi, tu dis que tu veux être mon maire, mon député. Je te vois, tu tapes skin sous la pluie, ça te monte, tu es là comme ça. Tu crois comment je vais te voter, mais maf, va tromper les Camerounais. Même si sur les plateaux, tu dis pas bien Moscou. Même si sur les plateaux, tu nous insultes jusqu'à ce que le boître sort. Je ne te vote pas. Maf. L'éthique marche avec l'étiquette. Monsieur Célestin, il faut comprendre ça. L'éthique marche avec l'étiquette. Les nous autres, quand tu viens nous parler, c'est pour ça que les Femmes, pourquoi les Femmes prospèrent dans les pays pauvres? Ils savent vendre le bluff. Quand un Femme vient, il ne va pas te garer n'importe quoi. Il ne va pas te mettre n'importe quelle montre. Il ne va pas te mettre n'importe quel costume. Parce qu'il sait qu'il va te parler des milliards. Quand on parle des milliards, il faut que l'homme qu'on regarde, même s'il n'a pas ses milliards, mais qu'il inspire les milliards. Quand on l'a dit, on n'est pas en train d'insulter. Écoutez, et maître insiste dessus. L'argent. Mais il n'a pas un emploi. Il ne fait rien. Il n'a pas un emploi. Germaine voulait être candidat à la députation. Écoutez. Il n'avait pas les moyens pour devenir candidat. Encore le problème de moyens. Oui. Encore. La journaliste, elle n'est pas... donc c'est pas maintenant, c'est pas nouveau. Le gars, c'est l'un des meilleurs spécialistes d'expérimentation de la disette. Je vous ai dit que la disette ici, c'est la grand-mère de la famille. Nous, on a connu ça où? Nous-mêmes, on a connu ça. Mais ici, là, pour lui, là, c'est trop. La journaliste dit, encore. Donc, pour lui, là, c'est grave. C'est grave. Ce que je dis, c'est pas faux. Le monsieur Célestin Germaine, il n'a pas un emploi. Il ne fait rien. Il n'a pas un emploi qui lui... Il n'a pas un salaire mensuel. Donc, il n'avait pas les moyens. C'est le président Joshua aussi qui lui a... Parce que maître Chapi estime, au moins si tu avais un emploi, pour tes revenus personnels, ça pouvait te mettre à l'abri de beaucoup de choses. Nous là, on était dans cette histoire de politique au pays. Nous, on était. Mais tu ne peux pas nous parler n'importe comment. Tu ne pouvais pas. Parce que derrière, aussi vrai qu'on a la tête pour parler, la bouche pour parler, on a aussi la tête pour implémenter des business qui vont nous permettre de garder nos convictions. Parce qu'on connaît le territoire. Allez demander aux hommes politiques avec lesquels j'ai marché. Le jour, ils ont fait bizarre. J'ai botté. Parce qu'on ne me tient pas. Et ceux qui me connaissent savent que Stéphane Tchoubou, j'ai développé des business. Même si on ne parle pas. Derrière. Parce que je savais que lorsque la famille te tient, même si tu as la conviction de Jésus-Christ, fils de Dieu, ça peut te prendre. Donc nous autres, comme on savait ça,
On s'attaquait sur le terrain politique. On a vite réfléchi. Comme nous, on ne voulait pas, parce que nous sommes des soumis. Moi, je suis un voyou par essence. Parce que nous, on sait que si on travaillait, à cause de nos convictions, on risque de choquer le patron. On va bagarrer même avec le patron. Qu'est-ce qu'on a fait? On a développé nos business doucement, qui donnaient notre revenu. On continue. Dossier pour les municipales. Et qui lui a donné l'argent pour sa caution, 50 000. Il lui a remis cet argent ou bien ils étaient sur une liste? Et écoutez, il faut qu'on revienne. Encore le problème. Un de ses camarades. Oui. Il n'en avait pas. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas faux. Le monsieur Célestin Diamène, il n'a pas un emploi. Il ne fait rien. Il n'a pas un emploi qui lui... Il n'a pas un salaire mensuel. Donc, il n'avait pas les moyens. C'est le président Joshua aussi qui lui a donné les moyens de constituer un dossier. Vice-président du SDF. Et qui lui a donné... Ami de Paul Biya, Joshua Oshua. Il lui a remis cet argent ou bien ils étaient sur une liste? Non, oui, je crois... Il n'était pas sur une liste puisque Joshua aussi était candidat au législatif et jamais au municipal. Donc, il n'était pas sur une liste. Donc, c'est Joshua aussi qui permet à Célestin Diamène d'être élu conseiller municipal. Par la volonté de Joshua aussi. Oui. Parce qu'il n'y avait, pas que Célestin Diamène, il me semble. Il y avait beaucoup d'autres personnes sur cette liste. Et voilà. C'est Joshua aussi qui prenait sur lui de payer pour ces personnes-là volontairement ou pas. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que Diamène n'avait pas d'argent pour payer? Joshua aussi a pris sur lui de payer pour ces gens. Non, est-ce que Diamène a payé ça? Joshua aussi payait pour ceux qui avaient des difficultés à payer. Dans la ville de Douala, les militants du ISM ne sont pas aussi pauvres. Ils sont riches. C'est votre analyse personnelle. Ils sont riches. C'est votre analyse. Non, non, ce que je vous dis, c'est la vérité. D'accord. Et je la tiens. Je tiens cette vérité des militants haut placés, des cadres du SDF dans le littoral. Suivez. Et c'est des informations que j'ai pris la peine de vérifier. Je ne le dis pas au hasard. Donc, c'est pas faux. Donc, vous avez toutes les preuves. Donc, j'ai dit que Célestin Diamène n'avait pas de raison de démissionner parce qu'il était conseiller municipal SIF. Donc, il touchait les indemnités de session du conseil municipal au nom du SIF. Il était membre du bureau national, secrétaire national aux droits de l'homme. C'était un cadre du parti qui était conseiller municipal, qui touchait les indemnités et il n'avait qu'un problème. Mais tout ça génère quand même de l'argent. Oui. Mais ça veut dire qu'il a de l'argent pour payer. Il a de l'argent. Avant, il a quand même de l'argent. Non. Avant les élections, il n'avait pas d'argent. Et une fois élu conseiller municipal, le conseiller municipal, c'est pas un travail salarié. On a des indemnités uniquement lorsque le conseil siège. Mm-hmm. Donc, entre les sessions, le conseiller doit vivre. S'il n'a pas de moyens, il vit quoi? Il va végéter, il va misérer. Et puis Douala, c'est quand même une ville où le niveau de vie est élevé. C'est pas comme chez moi à Bafoussam où on peut aller au champ chercher le macabo, manger et puis dormir, non. Douala, c'est une ville où le niveau de vie est élevé. Pour vivre à Douala, il faut avoir les moyens. Et si on n'a pas de moyens, on va souffrir. Voilà. Et bien plus pour faire la politique dans l'opposition. Il faut encore avoir beaucoup de moyens. Donc, moi, j'insiste, dans le contexte camerounais actuel. D'accord. Pour faire la politique dans l'opposition, il faut avoir les moyens. Okay. Si on ne le fait pas, on ne peut pas aller loin. D'accord. Ok, ça, on a compris. Pour chuter, ensuite. Donc, pour chuter, je pense que Célestin Diamène, il a choisi sa voie. Moi, je crois que là où il va, et il milite plus pour rechercher de l'argent, ce n'est pas tellement les convictions politiques qui guide son comportement. Ce n'est pas les convictions politiques. C'est... Il cherche là où il peut gagner de l'argent pour vivre seul. D'accord. C'est votre point de vue. Vous avez écouté ici Maître Tchapi Lavoisier. Tous les analystes politiques au Cameroun sont d'accord que la posture de Ndiamène n'est pas une posture politique. N'a aucun sens, n'a aucun argument. Qu'elle révèle juste des revendications stomacales. Il est suspendu à ça. Il est tenu par la famille. Donc quand les gens disent qu'il a famille, les gens ne mentent pas. N'insultez pas ces gens. Ne racontez pas n'importe quoi. Voilà un de ses anciens camarades au cadre
du SDF. Attendez, j'ai une information que je vais lire pour vous. Ok, je pense que je l'ai dit. C'est une information qui se complète. En fait, c'est quelqu'un qui l'a partagé là. Toujours sur le cas de Jamais. Que de 2009 à 2017, n'a jamais rien fourni comme rapport aux droits de l'homme. Donc, même dans le MSI, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Donc, vous avez quelqu'un, et tous les analystes aujourd'hui disent, sont d'accord. Que la posture de Ndiaye n'a rien de posture républicaine, comme il veut faire croire. En fait, c'est quelqu'un qui estime que depuis qu'il était à l'opposition, il n'a pas mangé, il est en train de finir sa vie. Il est crépuscule peut-être, selon lui. Sa vie finit comme ça, tranquillement. Et tout le temps, il est persécuté, il est doublé. Lorsqu'il vient par effraction dans le MRC, il faut le dire, erreur de casting. Il savait que le MRC avait donner de l'espérance au peuple camerounais. Et c'est qu'après l'élection 2018, vu l'engouement créé par le MRC, s'il s'en va aux législatives, aux municipales, lui pourra être maire. Et enfin, avoir ce qu'il a toujours rêvé. Vous aviez vu, lorsque le président du MRC engage son parti, dit son parti n'ira pas à cette élection, ce que j'aimais sur les Camerounais, il y a une photo qui circule. Ou sur ce plateau, Jamen, son cou a été subitement attaqué par un goitre. Nous ne savons où le goitre venait. Et les sources nous disent, le goitre qui est apparu sur son cou est la conséquence de la décision de la hiérarchie de son parti. Aujourd'hui, les gens viennent nous dire qu'il est républicain. Non. Jamen est dans une démarche. Quand on lui demande exactement qu'est-ce qu'il reproche à Kamto, allez l'écouter. Il va vous dire Kamto ne partage pas les informations. Kamto n'est pas politicien. Il n'a pas engagé. Voilà juste. Voilà juste les éléments pour justifier sa démission. Si nous avons au moins dit que Kamto a trahi le combat, ou bien Kamto a livré son combat au gars du RDPC, il manipule le peuple avec des éléments, on allait comprendre quand même que ta démission, elle est intéressante. Mais tu ne peux pas démissionner sur le plan de la méthode. Et on ne peut pas établir une stratégie uniquement sur la volonté de ta personne. Et le leader de ce parti dit que lui, il a pensé à l'intérêt général, pas à l'intérêt individuel. Et il dit très bien qu'il sait les sacrifices. Parce que la loi estime que les prochaines élections, pour aller aux prochaines élections, il faut avoir des représentants qui donnent une certaine caution. Mais il sacrifie ça. Lui-même, il vous explique que pour le cas de 2025, s'il faut écouter les bêtises de cette constitution, lui-même, il ne sera pas candidat. Donc, il compromet non seulement votre carrière, vous qui voulez être maire ou député, mais il dit, lui-même, il se compromet pour 2025. Vous écoutez. Depuis un certain temps, c'est que je n'entendais pas de la bouche de Diamant. Il ne veut pas vous dire que je suis prêt à servir Paul Biya. Parce que République qu'il évoque, République à qui il évoque là, c'est Paul Biya. Si la partie m'appelle, si la République m'appelle, je vais servir. Non, qu'on ne vous trompe pas. Si Paul Biya m'appelle, le RDPC m'appelle, le régime biaïste m'appelle, je vais les servir. Je vais devenir un biaïste. Voilà la posture de Diamant. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un journaliste qu'ils ont traité de mythomane. Moi-même, je peux croire qu'il est un peu mythomane. Ça, c'est vrai. Chantal Roger, tue-le.
Il a fait des sorties sur une chaîne. Je ne peux pas botter en touche les déclarations de Chantal Thule. Mais je questionne la pertinence de ces dires. Et vous avez vu que Ndiaye a reconnu. Comment est-ce qu'il a vu Thule? Il a rencontré. Même s'il y a beaucoup de mensonges dans ce que Thule dit, ça ne fasse pas qu'il y ait des vérités, des petites vérités. Et on connaît, même si on ne veut pas parler. On sait très bien qu'il y a une très grande complicité au sein du MRC pour détruire, pour décapiter. Qu'ils ont une intelligence avec les caciques de ce régime pour décapiter le MRC. Donc, quand tu as une posture d'homme avisé, il faut bloquer. Il a une posture d'homme avisé. Il bloque tout. Si vous estimez que ce n'est pas intéressant, c'est votre problème. C'est pour ça que nous autres, vos histoires de grand MRC, ça ne nous intéresse pas. Tu veux, tu tapes aussi sur nous. Valsero, vous l'avez écouté. Valsero a dit exactement, même si on n'a pas attaqué sur le plan des idées, Valsero a expliqué de manière limpide la démarcation. Je vais être d'accord. Je vais être très clair que c'est une proposition. Mais écoutez, les gens pensent que la proposition se fait comme ça, est-ce nihilo? Il faut étudier le contexte politique dans lequel nous évoluons avant de faire toute proposition. Nous, hier, nous pensions à ça. Moi-même, je pensais à un forum républicain entre tous les opposants. Hier, je pensais à ça. Mais quand tu prends le recul et que tu essaies de faire une étude profonde des acteurs politiques au Cameroun, tu prends du recul. Tu ne peux pas faire une telle proposition. C'est pour ça que vous n'allez pas empêcher aux gens de dire que le grand MRC est une nouvelle escroquerie politique. Quand tu identifies dans le champ politique au Cameroun, on peut faire grand MRC avec qui là-bas? Et je tiens à vous rappeler que tous, ils savent, tous ces opposants, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du Cameroun. Mais ils refusent à cause de leur compromis. Il faut le dire, il faut le croire de le dire. Quand vous posez les idées, les propositions sur la toile, et aussi le courage d'accepter d'être critiqué. Que de verser dans la version. Le grand MS, c'est une escroquerie politique. Vous voulez mettre qui dedans? Dans quoi? La véritable fusion ou coalition avec le peuple, c'est avec le peuple ou rien d'autre. Il faut cesser de nous faire croire. Parce que derrière cet esprit, on veut nous faire croire que tant qu'il n'y aura pas coalition au Cameroun, bien ne sera jamais vaincu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut cesser d'entretenir cette rhétorique. Où moi j'ai vu dans des élections où le RDP se disait. J'ai entendu Grégoire et on a le dit que l'opposition n'arrive même pas à se faire comprendre. Et même, c'est à cause de cette rhétorique que Kamto a allé embrasser certaines personnes qui se disaient d'être de l'opposition, qui sont aujourd'hui pour lui des dissidents, qui sont des adversaires de Maurice Kamto. Parce qu'à un moment, il y a eu cette construction dans l'imaginaire populaire qu'il faut forcément l'union d'une opposition pour vaincre Paul Biya. Est-ce qu'on est dans les élections de deux tours? Et lui, croyant faire plaisir au peuple camerounais, il a ouvert les bras, il a ouvert la main. Pourquoi ensemble? Mais allez voir aujourd'hui les gens à qui il avait décidé de porter le projet avec eux pour sauver le peuple camerounais. Sont des gens qui se réjouissent dans leur localité, qui reçoivent des subventions de Paul Biya, son argent, et qui insultent Kamto, qui mentent sur sa personne, qui le dénient matin, midi, soir. Donc quand on veut faire une telle proposition,
Il faut observer les acteurs politiques, le champ politique. Citez-nous un nom de quiconque là-bas. Nous allons vous dire, même si on n'arrive pas souvent, on va vous dire le comportement de ces. Ils ne sont pas sincères. Ces gens sont d'une duplicité incroyable. Vous négociez avec eux, vous discutez avec eux la nuit comme ça là. Il y a un autre, lors de la coalition, il avait pris tous les postes névragiques. Oh, il n'a même pas de véritable assise politique. Mais lorsqu'il vient rejoindre le MSC, le gars a demandé tous les ministères névragiques. Je vous dis, il y a des gens qui ne travaillent pas pour le peuple. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour le peuple, qu'on ne voulait pas. Beaucoup sont là pour un positionnement. Beaucoup sont là pour s'enrichir. Et je tiens à vous rappeler, c'est pour ça que vous dites aux gens du RDP, c'est pas le pays va mal. Non, ils ont une appréciation analogique du pays. C'est pour ça qu'ils vont se battre pour nous empêcher de manifester. Pour nous empêcher d'exprimer nos oppositions. Parce que eux, qui bénéficient de l'électricité gratuitement, de l'eau, qui ont des voitures, qui ont de la climatisation partout, et ils estiment que le Cameroun fait beau vivre. C'est pour ça que vous avez un des ministres des carnivaux qui est sur la toile, je ne veux même pas prononcer son nom, parce que ça me donne des démarches, non. Qui veut nous faire croire. Parce qu'ils se disent, en prêchant le faux, nous allons l'encaisser dans notre conscience ou bien dans notre subconscient. Mais à cause de sa position, il apprécie le Cameroun par la position qu'il a. Oh, ce ministre hier, je le connais personnellement. Je peux même vous dire comment il est arrivé là-bas. C'est quelqu'un qui m'avait sollicité, ce ministre-là. Stéphane Thumou, ça ne va plus. Jusqu'à me proposer d'être président des jeunes de son parti. J'ai dit que je ne suis pas en politique pour être président des jeunes. Il a dit ça cache. Et dit, frère, ça ne va pas. Je vais faire comment? C'est chaud. Rien n'avance, mes business, rien. Je me rappelle ce jour, je lui dis, à cause de ma sympathie pour l'opposition, parce qu'il m'interpellait quand je venais de démissionner d'un parti qui était tout sauf un véritable parti d'opposition. Je lui dis, j'ai décidé de prendre du recul avec les partis d'opposition au Cameroun. Mais comme tu es de l'opposition, je vais t'aider. Je ne veux pas citer le nom. On ne nomme pas les contemporains qui se connaissent. Ils savent ce que je dis. Et frère, si ce monsieur est devenu ce qu'il est, s'il est sérieux, il dira ça à cause de Stéphane Thumou. J'ai mis ce monsieur en contact avec un de mes tontons qui était un des stratèges de Thabo Mbeki dans l'Afrique, le SADC. Même jour, j'ai appelé. Parce qu'il était dans une démarche panafricaniste. Il était de l'opposition. J'ai dit, t'inquiète. On va gérer ça. Excusez-moi de le dire. Parce que nous autres, nous, on fait aussi dans les relations publiques. C'est notre travail. Mon tonton me faisait confiance. Mais il nous écoute là. Il m'aime. Il m'adore. Il dit, t'inquiète, je vais gérer ça. Après, il discute. On discute, je lui passe l'opposant en question. Il prend le numéro, il me dit, je t'appelle le soir, fils. Quand il m'appelle le soir, il me dit, ton type là, je ne le sens pas. Il n'est pas crédible, je ne peux pas. Je ne lui ouvre pas ces portes là. Je dis, ok, j'ai compris. Le même opposant m'appelle le lendemain. Tu as fait comment? Je viens, je lui dis, ok, tu exerces dans un métier. Tu es avocat international? Il me dit oui. Il me dit, tu es avocat international? Parce que tu as rappelé que c'est lui qui m'invite pour sa position. Je connais le chez lui. Hein. Je ne connaissais pas avant. Il m'invite chez lui. Je lui dis, écoute, il y a même un dossier. Je vais t'aider à entrer dans le dossier pour la défense du fils de Biangema en France pour les biens mal acquis. Beaucoup sont là, ils me connaissent, ils m'écoutent.
Il y a des fois, je ne veux pas parler. Pas parce que je ne connais pas. Il y a des choses. Si nous entrons en profondeur, ce qui se passe au Cameroun là, on connaît comment ça se passe. Si en ce moment, je fais un draft, je lui dis, voilà le draft, voilà les lignes par lesquelles tu vas entrer. Va voir telle personne. Mais ne lui dis jamais à la personne que tu viens de ma part. Voilà le discours que tu dois tenir. Et je lui dis, en finissant, que après ton discours, on ne nomme pas les contemporains, on ne dit pas le nom. Après ton discours, dis à la personne, je viens dealer. Quand tu vas dire, parce que nous autres, c'est pour ça que nous, on ne marche pas avec n'importe qui. On fait la psychologie de tout le monde. Nous, on est idiots, on est voyous. Mais notre voyoutisme, on sait qui est qui. On sait qui avec qui on marche. On sait que quand on part ici, là, ça peut marcher, ça peut avancer. On sait qu'ici, quand on marche ici, là, ça aura des tas. On y met des réserves. On est très prudent. Je lui dis après la discussion, dis à la personne, c'est le deal. J'insiste sur le mot. Parce qu'il y a des commerçants, il n'y a pas des idéologues au Cameroun. En Afrique, il n'y a pas trop d'idéologues. Il y a beaucoup plus de commerçants. Je vais donner le draft. Il est allé 2 jours après, on lui prend un billet d'avion. Et ce n'est pas le seul. Je l'ai fait pour un Ivoirien. Qui me nomme, chaque fois qu'il me voit, c'est un homme politique ivoirien qui me nomme. Mais je lui ai dit, ne prononce pas mon nom. Et quand je lui ai dit, je ne suis pas Jésus-Christ. Donc si le lait et le miel coulent, il faut te souvenir de moi. Il me dit, t'inquiète mon petit, t'inquiète. On va sortir de la galère. J'ai dit, ok. Mais moi, je savais qui il était. Je voulais aussi avoir ma part d'expérience. Et ça ne m'intéresse pas. Ceux qui me connaissent. 2 jours après, on lui donne un billet d'avion. Il a accompagné celle qui a pris en otage un journaliste au Cameroun à cause des histoires. Hein? Des histoires de ceinture. Et un autre avocat là, avocat du RDPC. Moi, je ne connais pas le nom. Un monsieur là, quel est l'indice que je peux donner? Il est avocat. Il a signé. Quand les avocats ont compté, il a signé. Il a dit qu'il est là, avocat du RE. Voilà, je vous ai donné l'indice. Les gars ont voyagé 2 jours après. L'homme, donc le projet qu'il avait pensé là, le draft, il ne m'a même pas, quand il partait du Cameroun, il ne m'a pas sonné pour me dire. C'est une amie, une copse, qui m'appelle. Parce qu'elle m'appelle souvent monsieur UNICEF. Toi, tu es toujours là en train d'aider les autres. Ton type est parti. Est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'elle était au courant. Ben, le jour où il m'appelait, elle était là. Elle me dit, mais ton type est parti. Tu es au courant? Je dis, je ne suis pas au courant. Je dis, mais ce n'est pas grave. Qu'il parte. S'il peut aider pour le truc. Quand le type revient, la maison du type, je ne vais pas vous expliquer. Le premier jour, quand tu as essayé dans la maison du type, là, toi-même, tu voyais que le gars expérimentait quand même la galère. C'était pas ça. Quand le gars repart, sa femme a une petite voiture. Quand il revient, petite voiture, on m'appelle encore. Ma copse m'appelle. C'est qui me donne les infos. Monsieur UNICEF, ton type est là. Il t'a appelé. Il dit non, il ne m'a pas appelé. Elle me dit, mais ton gars est chaud. Est pauvre. Vous savez, il y a des gars, quand ils touchent un peu d'argent, ils changent directement. Ton gars est chaud, est propre. Je dis, ah bon? Sa femme même, qui venait en moto, petite voiture. J'ai dit, waouh, donc ça a payé. J'appelle mon copse. Allô, c'est comment? Oh, mon fils, tu es où? J'ai dit, ouais, je suis à la base des voyous, à Deito, toujours. Il dit, ok, j'arrive, je passe là-bas chez toi, je te vois. Après, ma mère me dit, dis donc, à quoi là-bas, il y a l'embouteillage. Je vais à la maison, est-ce que tu peux venir à la maison? J'ai dit, ok, j'arrive, il n'y a pas de problème. Je tape, moto, sur. Ah, d'abord, il m'indique déjà. Non, je connaissais déjà. J'arrive là-bas chez lui. Je dis, mais comment? Toi, tu pars. Tu me dis même pas que tu pars. Tu reviens, tu m'appelles pas.
Et je t'ai dit que je ne suis pas Jésus-Christ. Il dit non, petit Fallès. Après, il me dit, tu sais, le langage tourne. Tu sais, vraiment, nous sommes allés, tout, c'est pas ça, mais les choses se concrétisent. Hein, tu vois un peu. Non, c'est pas encore ça, c'est pour ça qu'il n'était pas appelé. Mais les choses sont en train de s'arranger. Ça va donner le projet. J'ai ri à l'intérieur. La maison où j'étais entré, j'ai vu que la maison, la première fois où j'étais entré dans cette maison, la deuxième fois que je suis revenu, les signes de la galère avaient disparu. Et le type veut me faire croire qu'il n'y a rien eu. Je suis resté tranquille. Moi, je suis clair. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais d'abord parce que j'estime que ça peut aider l'intérêt général. Et je suis sincère dans ma démarche. Si je peux ouvrir les portes, que ça aide. Après, il sort 5 000 francs pour me donner. Il dit, agent de transport. Je dis, 5 000 francs, c'est agent de transport. Moi, je ne venais pas pour 5 000. Je ne venais pas pour 5 000. J'étais dit que c'était Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Il dit, non, garde tes 5 000 francs. Il dit, non, comment, petit frère? Je t'ai dit qu'il n'y a pas encore, ça va. Je dis, écoute, j'ai fait. Tu es un opposant. Tu me l'as dit. Tu m'as rassuré. J'ai écouté. D'abord, même si je savais, j'avais l'information. Parce qu'on m'a dit. J'avais l'information de ce que tu es. Je me suis dit. Et tu m'as même proposé d'être président de jeunesse de ton parti. Ça ne m'intéresse pas. Mais je me suis dit, je vais me faire ma propre opinion autour de toi. J'ai pris le risque d'ouvrir les portes. T'expliquer. Maintenant, tu sors, il n'y a pas de souci. Moi, au moins, je me réjouis parce que c'est à partir de ce jour que son business commence et il devient ministre à la République. Même son ministère. C'est le secrétaire du R qui organise ça. Nous sommes là, on voit. Je sais comment ça s'est passé, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, quand vous avez vécu ces expériences, et que les gens veulent vous faire croire qu'ils militent pour une justice sociale, qu'ils militent pour la République. C'est les esprits mal éclairés et opaques qui peuvent encaisser ce genre de discours. Les nous autres, nous savons que ces gens militent pour un positionnement. Militent pour faire disparaître la galère. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On s'écarte. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas m'attaquer. Ils savent. Ce que je dis là, c'est seulement... Parce que si t'as... il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Je dis bien, ils sont plusieurs. Et la malchance. Vous savez, j'ai eu cette chance parce que parmi ces aînés, j'étais un des jeunes non seulement convaincu, mais loyal. Parce qu'en politique, on ne voit pas trop de loyauté. Très loyal. Et j'avais un sens de mouvement et d'engagement. Ça nécessite... Pour moi, ce n'était pas l'argent. D'autres ont porté l'argent comme ça sous mes yeux. Ils sont allés, ils ont fait le business. Porter l'argent comme ça sous mes yeux. Après, ils se sont dit, prends ta part. J'ai dit, non, merci, allez. Je vous le dis, je ne donne pas seulement le nom. Tellement il me fait, il m'amenait dans les couloirs. Il m'amène, d'autres m'amenaient dans des couloirs. Donc, les gars qui, le matin, ils insultent pour bien, ils insultent pour bien. Après, on les appelle. Comme ils me faisaient confiance, et le point, c'est de dire que je suis trop naïf. Je suis jeune, je suis naïf, je comprends rien, peut-être je... Non, je ne peux pas. Nous allions. Je vois comment on donne l'argent. On donne bien tapé là, l'enveloppe. Le gars qui venait d'insulter pour bien, le gars tape l'argent. Il parle de lui-même. Après, on sort. Le gars compte. Il dit, petit frère, j'ai dit, non, gars, non, c'est bon là. Moi, s'il n'y a pas, tu sais, ça doit aider notre projet. C'est comme ça que je faisais. C'est peut-être l'argent du taxi. C'est le taxi là. Quand on prenait le taxi que je proposais, quand on me déposait, je viens, je dis, moi j'ai un de mes grands frères, lui l'argent il adore. Je lui explique. Il dit, petit frère, toi aussi, reste tranquille, tu ne vas pas changer le monde. Il y aura toujours les pauvres. Il y aura toujours. Quand tu m'as dit, ce n'est pas ma conscience politique. Je suis désolé. Mon grand frère, peut-être écoute, peut témoigner. Mais cette expérience m'a permis davantage de me bâtir. Ça me choquait. J'avais mal. Quand je rentrais chez moi, j'étais mal. Et je tiens à vous rappeler, j'expérimentais aussi la disette, comme les diamènes. J'expérimentais ça.
Mais heureusement que nous, on avait la tête. On faisait des business partout. Tout ce qu'on voyait. Ben nous, là, nous, on est prêts à retrousser les manches. Pour moins se avoir notre dignité. Mais il y a des moments où c'était dur. Et tu avais donc souvent des copines. Tellement t'aimes. Et elles comprennent le sens de ton engagement. Elles te disent, bé. Elles te glissent un peu pour te tenir. On a eu ça. C'est pour ça que nous, j'aime toute cette belle créature. Mais ces expériences, plus je voyais ça, ils sont nombreux ces hommes politiques avec lesquels j'ai marché. J'avais mal, j'étais frustré. Je me disais finalement, il n'y aura aucune proposition au Cameroun. Finalement, les gens ne feront pas un dépassement personnel. Finalement, les gens ne comprendront pas que Biya a réussi parce qu'il arrive à utiliser des hommes sans conviction qui peuvent faire un dépassement personnel. Ça me frustrait. Je voulais m'écarter, je voulais m'abandonner tout. Mais à l'intérieur, une petite voix me disait tout le temps, Stéphane Tchoumbo, je te fais vivre cette expérience pour te bâtir. Pour que demain, tu puisses démontrer qu'on peut faire la politique autrement au Cameroun avec un sens d'intégrité, d'honneur et de moralité. C'était ma conviction. C'est pour ça que quand le journaliste Romaric, lorsqu'on a fait cet entretien, il m'a dit, mais vous aussi, on dit que vous êtes traître, tout ça. J'ai dit, Romaric, si tu as n'importe quel élément, verse sur la toile, on a un débat. Et les journalistes qui me connaissent, quand je cause avec eux, je dis, je n'arrange même pas souvent trop de questions, je n'arrange pas les questions avec eux. Je dis, frère, toutes les questions, selon votre convenance, je me prête au jeu, je n'ai pas de problème. Quand vous savez votre cohérence, comment vous marchez, vous ne pouvez pas trembler. Et c'est pour ça que je suis l'homme à abattre, même au niveau de la diaspora. Parce que j'ai décidé d'être cohérent, de marcher dans le cadre et de donner l'espoir aux Camerounais qui nous écoutent. Pas que je n'ai pas des faiblesses et des manquements, jamais. Mais je dis toujours, mes faiblesses et mes manquements ne doivent jamais tuer l'intérêt général. Jamais. Quand je me rends compte que ça avait tué l'intérêt général, je m'écarte. Et ceux qui me connaissent, je leur dis, quand je vous parle, je ne vais pas faire de vous des anges. Nous sommes des humains. Mais le plus important, c'est avoir cette conviction de ce que nous menons comme combat. Même si on a nos manquements. Même si on a nos manquements, mettez toujours le peuple au centre de votre orientation et ça va vous grandir. C'est ça notre vocation. Mais les gens pensent que les gens qui nous écoutent sont tellement idiots. Il y a des erreurs en politique qu'il ne faut jamais s'essayer. Et en politique, ce que j'ai appris, jouer aux équilibristes. Quand vous voyez quelqu'un jouer aux équilibristes, il est très dangereux pour l'avancée de notre combat. Il faut les identifier. Quand vous voyez quelqu'un jouer aux équilibristes, méfiez-vous de cette personne. Il faut savoir faire le choix de ses amis. Le choix de ses alliés. C'est très important. Nous avons l'obligation d'assainir le champ politique au Cameroun. Il y a une immoralité politique qui ne dit ça non. Je ne voudrais jamais qu'on érige des gens comme Diamine, comme étant des exemples de la République. Jamais. Sur la base de quoi? Sur quoi ces hommes deviennent des grands hommes? Sur quelle base? Il vous démontre chaque jour que lui, il est dans une quête de reconnaissance. Il veut sa part. Vous n'avez qu'à mourir.
chemin-là aussi est difficile. Moi qui vous parle, si je veux à l'instant T avoir les faveurs de ce régime, je vous ai toujours dit, j'ai mes amis là-bas, hein. J'ai des aînés qui m'aiment mal, mauvais. Ils ont un bon poste là-bas. Ils sont des hauts cadres. Donc, il suffit juste que je les appelle et dis donc, histoire sienne. Moi-même, il faut que vous accompagne. Ils vont organiser les choses. Que j'ai une santé financière. Deux fois d'autres, on cause. Petit frère, change, dis donc. Sors dans ces histoires de voyous. Sors dans la machette. Petit frère, tu as de l'avenir. Viens vraiment à ma chaîne. J'ai dit, en tout cas, si c'est voyous-là qui va changer le Cameroun, il reste là-dedans. Je reste là-dedans. Si dans l'histoire de voyous là, les nous autres, on peut vous challenger, on peut faire, on vous empêche là, vous ne venez pas. Au pis là, mangez l'argent là, moi restez dedans. Donc ne pensez pas que ce que vous faites là, nous connaissons ça. C'est des gens qui utilisent la contestation politique pour exister, pour avoir un poste de nomination ou une plateforme financière. Ils ne sont pas avec le peuple. C'est pour ça qu'il faut savoir distinguer ses choix. Et moi, on ne peut pas me dire, quand j'identifie sur le terrain, quel est l'homme politique efficace pour le cas du Cameroun, qui est plus proche des populations. On ne peut pas me tromper. On ne peut pas me dire de fabriquer autre chose. Nous, on pourrait créer des partis politiques. On a aussi notre petite base. Nous avons des jeunes que nous influencions, que nous aimons. Donc, on pourrait faire des deals, créer notre parti politique, se positionner aussi comme des leaders. On a toutes les attitudes pour être leader. Mais à quoi servira cette démarche, notre attitude, lorsqu'on a déjà identifié que sur le terrain, on a quelqu'un qui peut le faire. Donc si on lutte pour le peuple, lorsqu'on a identifié l'homme qui le fait déjà pour le terrain, on lui apporte notre énergie pour l'accompagner. C'est pour ça que je trouve indécent de vouloir catégorifier les activistes. Je suis d'accord de l'activisme, mais à un moment... Pour la conquête du pouvoir, il faut identifier ses partenaires sûrs et vous l'accompagner pour qu'il réalise cet idéal. Il ne faut pas créer un flou, une escroquerie langagière en disant que non, je suis activiste, reste dans mon coin. Non, je ne me bats pas pour qu'un bandit vienne prendre notre lieu, jamais. Nos pères, nos dévanciers, nos pères indépendantistes se sont battus. Il y a des escrocs politiques qui ont récupéré leur combat. Et voilà où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Je ne veux pas. Donc l'expérience de nos pères doit me rendre sage. Donc je ne me bats pas pour qu'un aventurier politique se positionne là-bas. C'est qui va tuer toute la peine que nous sommes en train de mener. Donc si quelqu'un le dit, le fait quoi? Non, je suis juste à te... C'est le banditisme organisé. Oui, je suis activiste. Oui, je me bats pour une justice sociale. Oui, mais maintenant, pour la réalisation de cette justice sociale, j'ai besoin d'un partenaire stratégique en politique que je dois identifier. Et je l'accompagne. Même si je ne suis pas encarté. C'est pour ça que nous autres, on va vous fatiguer avec la personne de Campton. Ils sont partis. Parce que nous estimons, à l'heure actuelle, que c'est le meilleur de tous. Maintenant, si on parle de lui et que ça vous énerve, allez brûler le lac. Nous, on va parler. Je n'ai pas besoin d'avoir l'approbation qui me le donne. Moi, tout ce que j'avais besoin, est-ce que ce monsieur, le peuple est au centre de ses intentions et ses préoccupations? Dès que j'ai compris ça, je me mets comme un paravent. Pour broyer tous ceux qu'il veut tuer ou bien déconstruire la politique de cet homme. Et c'est ce que nous faisons. Et quand on l'a fait, on n'a pas besoin. Quand on le fait, on n'a pas besoin d'être membre ou bien d'être à proximité de cet individu ou bien de se positionner pour avoir un poste. Les nous autres, ça ne nous flatte pas. On connaît repicher les membres. Et la tête là, Dieu nous a donné une tête bien faite pour penser projet. Que vous avez que ça m'intéresse. Moi, je suis au point ou pas essence. On vous a dit que les histoires protocolaires, là, ça m'intéresse. Et c'est un jour, vous allez voir.
Donc ne racontez pas n'importe quoi. Il ne faut pas faire de la distraction. Il faut être clair. Ce mélange, machin, tu... Qui de ces gens-là veulent que, que le Cameroun change? Vous voulez mettre qui là? Qui de ces gens que vous citez veut que le Cameroun change? Vous avez un monsieur, depuis qu'il a mis son pas, depuis 2012, qu'il est sur le terrain. Il ouvre la main, il appelle tous ses frères, ses camarades de l'opposition. Venons faire quelque chose. Vous voyez d'autres aujourd'hui qui font des photos avec lui. Qui vous dit, maintenant là, un partenaire solide a été formé. Le lendemain, ils s'en vont le fustiger. Vous croyez que c'est sérieux? On va continuer dans cette démarche-là? La meilleure coalition, c'est la coalition avec le peuple. Aussi simple que ça. Le reste, peut-être vous ne savez pas. Le combat, ce n'est pas au niveau de la coalition. Le pouvoir, là, c'est à une autre dimension. Et la phase actuelle que nous menons, ce combat, c'est ça. Nous sommes allés, nous sommes à l'état, à une autre étape, pour la conquête du pouvoir. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que les autres, hein, qui croient en nous, non, vous disent, tapez sur l'organisation et allez verser l'argent. Le reste, vous allez voir. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous verrez pour une fois les avancées du processus de démocratisation de notre pays. Et ça demande des moyens costauds. Il faut soutenir les gens qui se battent pour la démocratie dans notre pays. Il faut que les gens sortent de cette condition de précarité quand ils défendent leur idée. Il faut ça. Donc quand tu soutiens là, sache que ton soutien, ça participe. Ton soutien là, ça participe seulement à faire avancer la cause d'une manière ou d'une autre. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Quand on dit qu'on va porter des armes, c'est votre problème. Vous savez très bien que nous, on ne porte pas. Si on vient les armes, c'est que c'est depuis. Et pour porter les armes, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ça. On ne peut pas acheter des armes. Ils savent. Nous avons inscrit notre combat. Le nôtre, comme lui-même l'a dit. Nous avons utilisé les armes pacifistes. Que ça plaise, je peux comprendre. Les autres estiment qu'il faut aller. Nous, on n'est pas là. Ce n'est pas notre démarche. Parce qu'au corps à corps avec ces gars, ils ont de national la puissance. Ils vont nous écraser. Maintenant, nous, on va utiliser d'autres méthodes. Encore plus soft, sans se salir. On prend l'histoire là. Aussi simple. Il a fallu maintenant la diaspora, qui est un atout considérable au niveau du combat. C'est un atout. Il fallait donc utiliser cet atout de la diaspora. Mettre quelque chose de plus sérieux. Susciter l'optimiste camerounais et faire avancer. Amener donc ces gens qui sont épris, qui ne peuvent pas peut-être manifester ou bien parler comme nous autres, mais qui rêvent d'un Cameroun nouveau. Il fallait donc mettre un cadre sérieux, fiable, où ne serait-ce qu'un euro, il verse. Et nous, on fait les choses seulement en arrière. C'est pour ça que mon absence, pour quelque temps, c'était ça. C'était aussi d'apporter ma contribution qu'on élabore. Je ne suis pas dans une optique de démarche solitariste. Même si je fais des choses sur ma base, même si souvent les gens ont l'impression que je marche seul, non. Je n'ai jamais, j'ai toujours été, je crois, la force est dans l'union. Et j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Il faut unifier les forces. Maintenant, on ne peut pas unir les forces avec ceux qui ne veulent pas. On ne peut pas forcer. Il faut nous dire. On ne peut pas forcer. On ne peut pas mettre ensemble les gens qui regardent différemment. C'est aussi ça. Donc ne vous fâchez pas si c'est divisé. Maintenant, vous avez donc l'obligation d'identifier ceux qui sont dans la cohérence, pas dans la flatterie. Moi, je ne flatte pas. Tu ne donnes pas. Mais mes gars sûrs, mes voyous vont donner. Parce qu'ils savent la cohérence. On ne dit pas les choses. Dans quelques jours, vous allez voir. Dans quelques jours, vous allez voir, dans quelques jours, ici dans Paris, vous allez voir les choses. C'est le processus d'un travail.
J'ai dit quelques jours. Dans 5 jours ou dans 4 jours, vous allez voir, dans Paris. C'est un travail costaud. Et les gens se démettent pour ça. Donc, on ne bluffe pas. On n'est pas pour bluffer. Toi, tu ne donnes pas. On s'en fout. Mais nos gars, nos cops, nos voyous vont s'identifier et vont mettre. Parce qu'ils savent. Et je vous remercie. J'ai cette dame. Lorsqu'elle a cotisé, c'était avant-hier. Je suis un partenaire direct. Elle a cotisé. Elle a mis de l'argent. Elle m'envoie le truc. Elle dit, fils, j'ai tapé l'argent là-bas. J'ai tapé. C'est vrai que je vois trop de polémique. Mais quand j'ai vu ton visage associé à ça, j'ai tapé sans regarder derrière. J'ai dit à mon mari, non, c'est mon fils. Là où il est, je suis rassuré. Je tape. Même si je ne comprends rien, je sais que ça va avancer. Ça va apporter un plus. Et c'est ça. Et vous allez voir. Nous avons pour mission de faire changer ce pays. On va le changer. Ils ont les moyens de l'État. Nous, on a le peuple avec nous. Et on va solidariser le peuple, même si c'est 1 euro, pour le faire. C'est très important. C'est très important. Et je salue l'efficacité. Je ne vais pas citer le nom de tous ceux qui travaillent pour cette équipe. Ce matin, je causais encore avec une dame qui travaille et me dit comment son mari lui dit, chérie, tu oublies même ton propre travail. Elle me dit son propre travail à elle. Elle oublie. Elle dit à son mari, vraiment, l'histoire de Cameroun, c'est le combat. Je dis justement à cette dame, courage. Courage. Les sacrifices, ces sacrifices ne seront pas vains. Ce sacrifice est le fruit de ce qui va se concrétiser dans les jours qui viendront. Donc ne vous dérangez pas. Il y a des gens qui ont torpillé par tous les moyens, qui veulent à tout prix. Il y a d'autres qui excellent dans la division, dans les querelles, les médisances, qui veulent voir cette diaspora toujours être divisée. Il y a des gens qui adorent ça. Nous, on les a identifiés, on les connaît. Qui aiment ça, ce statu quo. Ça les arrange, hein? Ah! Après nous autres, on s'est vraiment dit, mince. Donc ça va toujours être comme ça. Donc de tous ces diasporas, on doit toujours dire que la diaspora camerounaise est l'une des diasporas avec laquelle on ne va rien faire. Mais j'ai toujours cru qu'il y a des personnes, peut-être qu'on ne connaît même pas, en arrière invisible. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de non-names dans ce projet qu'on ne connaissait pas. On a vu la compétence. Ah, c'est ça, voyou, veste, 100 euros. Allez, c'est bon. Allez, veste. Veste-nous l'argent là-bas. C'est ça mon rôle. Il faut taper, tape les dos là-bas. Tape ça. Tape ça. Les jours qui viendront, tu vas voir ce que ça fait. La politique est allée dans... Oh, actuellement, là, le combat pour le Cameroun, c'est une autre dimension. Il faut être trop wise pour comprendre ça. Il faut être wise pour comprendre ça. C'est entré une autre dimension. Et pour ça, il faut des dons. Il faut être wise. Et on travaille pour ça, que ça se réalise. Donc, mes voyous, tape seulement. Même si c'est 2, 1, 1, 3, 3, 0, tape seulement. Mes femmes là, celles qui m'aiment là, allez, tapez seulement là-bas. Tape, tape, tape. Quand vous tapez, vous allez faire plaisir à Stéphane, vous m'envoyez. Aussi simple. C'est ça. Et vous allez voir. Il faut que ça cesse. Ou on achète, les gens proposent l'argent, machin. Il faut que ça cesse. En tant que Camerounais, cette donation, vos contributions, doivent nous permettre d'asseoir notre souveraineté. On n'a pas besoin d'avoir d'aide de qui que ce soit ou de quelque puissance. Nous allons construire notre propre souveraineté. Il faut organiser les Camerounais. Je sais que ce qui vous intéressait, c'est juste savoir des gens fiables qui ont un certain sens de l'intégrité, de la probité et de la moralité. Et nous vous offrons ça. Pardon, bloquez-moi les grands marabouts là. Je vous en supplie. Grand marabout, mon pays souffre. Il fallait libérer. Si tu libérais mon pays, on te donnait tout. Bloquez-moi seulement grand marabout là. Qui parle face ailleurs? Ce n'est pas ici. Nous, on n'a pas besoin de tes services. Il y a d'autres qui ont besoin de services. Il faut exorciser certains qui comprennent le sens même de notre combat. Qui comprennent la route. La politique n'est pas le balbutiement. On ne balbutie pas. Il y a une trajectoire. Il faut faire ses choix. Ce n'est pas un mélange. On ne met pas tout là.
Donc, si c'est que nous on dit, voyou, si ça t'énerve, pas brûler le lac. On va toujours parler. C'est ça. Donc, si tu es mon copse, à l'état de là-bas, tu dis, fiou, et ça avance. Merci. Parce que, à moins de 9 jours, on est à plus de 8000 euros. Ah! Ça sent de la crédibilité. Oui. Dans un contexte difficile, où les gens font croire que tout ce que nous faisons dans la révolution, c'est pour escroquer. Mais en moins d'une semaine, on arrive quand même à recruter 1000 euros, mais 8000 euros. Mon frère, c'est pas donné. C'est pas donné. Donc, malgré ces manipulations, les invectives, les insultes, on arrive à faire le chiffre. Ça prouve le sérieux et la compétence des hommes qui accompagnent le projet. Et ça nous encourage. Donc, peuple, ne soyez pas distrait. Soyez focus. Le meilleur est à venir. Vous n'avez pas besoin des amis. Que toute la terre soit contre vous, le plus important pour vous, c'est de continuer sur le chemin qui a été tracé pour vous. Aussi simple que ça. Aussi simple. On me connaît. J'ai pas trop d'amis. J'ai des ennemis. Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est la vie de plus de 27 millions de Camerounais qu'il faut sauver. Et c'est ça qui m'attache. Et si pour cela, tu dois me faire des ennemis, je vais faire. Si tu es mon corps, si tu m'appréciais et que j'ai tapé sur toi, tu ne m'apprécies pas. Allez, vas-y. On n'est plus corps, ce n'est pas important. Mais l'important pour moi, c'est sauvegarder l'intérêt général. C'est ça. Le reste, c'est les salades de café de commerce. Portez-vous bien. Nous vous aimons. Absolument. Tu contribues là-bas, tu mets ton argent. Tu vas voir le reste.